Nous, les elfes, sommes une race très agile. Mais toutes ces acrobaties nous abîment les mains. Auriez-vous l'amabilité de me concevoir des gants en mithril? En échange, je pourrais vous aider à doubler votre revenu. Ah oui, ça m'intéresse pas mal. Si je mange le craft. Peut-être que je l'ai en fait, mais que je l'ai pas fait. On va vérifier. Nous les elfes sommes une race. Non, on ne les a pas. C'est bien dommage. En plus, techniquement, je voudrais dire que vous faites pas beaucoup d'acrobaties en fait. À part dans le jeu, et puis encore il y a que Legolas, puis. Pas ceux que je contrôle quoi, mais. Sinon, vous en faites pas des masses non plus, il faut pas exagérer. Hein. Ok. Et je fais comment sinon pour passer? Comment fais-je? C'est loin d'être ce qui est plus pratique. Flûte. Bon, j'ai compris comment on fait, mais... C'est pas ce qui est le plus facile. Mais on va y arriver, je ne désespère pas. Bon, on va changer la caméra. C'est des jeux de caméra tout ça. Alors, caméra. Très bien. On change la caméra. Parfait. Suivant. Ça, ça se débloque. Excellent, ok. Je ne sais pas où je suis encore paumé. Legolas, tu as besoin d'avoir des gants, n'est-ce pas? Des gants de boxe en mithril. Ça se trouve ici. Très bien. Ah d'accord, t'as réussi à te bloquer là-dedans, toi. Et comment t'as fait ça? Alors je sais pas si vous voyez, mais on a notre ami... Frodon qui est là. Pour une étrange raison. C'est quoi ces trucs absolument laids? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Alors déjà c'est laid. Alors après je suis peut-être con mais moi je comprends pas beaucoup l'intérêt de ce lieu. Parce que c'est moche. Alors là, je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Tu as besoin d'un tonceau, mon ami. Fais ça, tombe dans l'eau, je te dirai rien. Comment fait-on pour récupérer cette eau? Comment fait-on? Non, sérieusement, comment fait-on? Là, il y a un bac d'eau, c'est pas pour rien quand même. Ok. On verra ça après. Oh là là. C'est juste un foutoir des plus pas possibles. D'accord, alors. Est-ce qu'il y a moyen d'accéder à ce lieu?
Donc pas moyen d'accéder à ce lieu. Frodon. Comment fait-on pour prendre l'eau qui est là? Non, très sérieusement. On fait comment? Bon. Carte. 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 Oh là là, c'est compliqué leur système, c'est compliqué, c'est compliqué. Choisir destination. Oui, je veux choisir cette destination. Ok. Ok, écharpe. Je choisis cette destination. Ça, ok, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alors, je crois comprendre une chose. Mais il faut que je trouve cette saloperie de poignée. Stupidobit, suivez-moi! J'avais envie de dire ça, ça me calme les nerfs. Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? J'ai compris. J'ai un gros lag. J'ai un gros lag. Gros lag. Je ralentis à mort. Quand est-ce que ça ne ralentit plus? Attention. C'est bon. Ouh, génial. Je ne sais pas ce que c'était que ce bug. Pas ce lag. On continue, on continue, on continue. Gros lag. Alors je ne sais pas si c'est la zone ou si c'est Fraps qui fait ça. Bon, ça lag pas énormément. Mais c'est toujours chiant. Ah, ça, ok, c'est compris. Ouh! J'arrive à comprendre des trucs quand même. Où suis-je après? Après, que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Pour la suite, je dois faire quoi? Par là, qu'y a-t-il par là? C'est moche. C'est moche. Bah non, c'est joli en fait, mais c'est bizarre. Ça, c'est d'accord. Ok, ça, c'est compris. Oh, foutoir de merde! Je suis déjà allé là, oh! Non, échappe. Continuez, elle. Toi. Ok, ça c'est fait. Alors. J'avais déjà galéré à aller de l'autre côté, alors on va recommencer, on va recommencer, écoutez, écoutez. On n'est pas aux pièces non plus. Ah, aux pièces, le jeu de mots. C'était pas drôle. C'était moisi. Non, je veux faire ça. Bien. Elle. Ah. Légolas. C'est pas le bon endroit. Légolas. Tu es ici, mon ami. Ok. Après, où dois-tu aller? Par là.
Et ils ont que ça à foutre de nous faire faire des chemins à la con là. Oh non 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 non. Non, corde. Monter. Sauter. 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 J'ai toujours la corde, tout va bien. Entre parenthèses, je ne sais pas où je suis dans Foncombe, je suis paumé. Mais écoutez, tant qu'à faire, on va rester dans la zone. On monte. On saute. Ça marche pas. On saute. Ça marche. Ici. Flûte. Ok, alors maintenant que je connais le jeu. Ça, je crois que c'est ce qu'on appelle un bug. Alors, je sais pas vous. Mais je crois bien que c'est ce qu'on appelle un bug. Continuez. Elle. Alors, ce que je vais faire, je vais changer de personnage. Faire A. Waouh! C'est un joli bug. Alors, voir carte. C'est un excellent bug. Ouh! C'était... Voilà. Sans commentaire, écoutez. Alors, on va reprendre directement Legolas. Sam. T'es censé faire quoi là déjà? Ah, exact, me souviens. Je me souviens. Très bien. Alors, mon ami Legolas, dans quelle direction es-tu censé aller? Oui, oh. Carte. Ça devient le bordel, ça devient le bordel. Je me souviens dans quelle direction tu es censé aller. On avance, on progresse, on progresse, on progresse. Oui, un, si tu veux. C'est par là. On y va, on continue. Ouh. C'était étrange. Alors, on va déjà aller voir là. Ouais, on y était déjà allé, il me semble. Alors, comment ça se présente? Ah oui, d'accord. Oui, en fait, ça doit bien se présenter sous forme de statue. Et ouais, ça doit nous présenter des statues ici. C'est ça. Ça doit être ça, effectivement. Très bien. On sait à quoi ça ressemble, on sait à quoi s'attendre. Legolas, tu dois aller dans cette direction. Je souhaite te rendre à la maison d'Elrond. Très bien, jusque-là tu as compris, mon ami. Après, tu dois aller par là. Sauter là. Jusque là tout va bien. Ah, ça bugue, regardez. C'est marrant ça. C'est censé être le truc qui débloque le pont. Une pièce, c'est toujours ça de prix. Ah, ça c'est bien.
Ça, moins. Ça l'est moins. Alors, on revient à l'endroit bizarre. On va tenter de sortir de l'endroit bizarre. Non, c'est bon, c'est plus bizarre. Je sais où je suis. Je ne suis plus perdu. Je ne suis plus perdu. On fait échappe. Voir la carte. Alors, on va pas se téléporter jusque là-bas, évidemment. Alors, on va tenter de retourner là-bas et de comprendre ce qu'il faut faire. Faisons ça stratégiquement, méthodiquement et tout ce que vous voulez, tout le tout, tout. Tu as besoin d'une corde, mon ami Legolas. Toujours cette prix, hein, ça fait des pièces, écoutez. Ah, il considère même plus que j'ai des golas, d'accord, parce que j'étais en train de lire ce qui est écrit en dessous, appuyer sur A pour changer les golas, c'est... Je disais pas que j'étais dégueulasse. Ok. Incompréhensible. Ah, j'ai compris comment on fait. Également juste pour des pièces, inutile. Voilà, si c'est utile, mais c'est pas très très utile. C'est pas beaucoup utile, mais c'est utile. Ok. Alors, nous reprenons. On doit aller par là. Nous devons aller par là. Nous devons descendre. J'avais dû déjà détruire tout cela. Alors, tu as besoin de gants, mon ami. Gants qui sont dans ton inventaire. Bien. Alors, il doit y avoir quelque part un objet qui permette d'avoir un endroit où on doit pouvoir pêcher ou quelque chose. Loupé. Ok. Je suis en train de faire bugger le jeu, mais d'un truc pas possible. Je fais la merde partout. Ah. À un moment j'ai dû faire une connerie qui a dû faire bugger le jeu, je pense. Je sais ce qui va pas. Alors je sais d'où vient le bug maintenant. C'est ou le jeu qui est mal fait ou alors il s'est mal installé sur mon ordinateur. Je ne sais pas. Mais en tout cas là il y a un gros défaut. Alors comment suis-je censé remonter maintenant du coup? Ça, on peut vraiment dire que c'est un gros défaut. Alors attendez.
Alors du coup, on va se re-téléporter sur la carte en espérant que ça conserve mon saut. Ce dont je doute bien fort. Ouh! Eh ben, si vous avez... Ah, c'est très bien, ça va conserver mon saut. Si vous voulez faire le jeu... alors, enfin, vous me direz si, si ça vient de moi ou si ça vient du jeu. Mais si, ça, si vous voulez faire le jeu et que ça vient pas de moi, eh ben, au moins, vous savez à quoi vous attendre au niveau des bugs. Nous avons un gros point négatif sur ce jeu. Un gros bug qui, limite, empêcherait presque de faire le jeu. Enfin, de le finir à 100%, quoi. Donc, à faire gaffe, à faire gaffe. Donc, si vous ne pouvez pas récupérer l'eau avec votre seau, vous savez que vous devez tomber derrière dans la flotte et attendre que votre personnage coule pour avancer. Ce qui est loin d'être pratique. Ah, par là. C'était bizarre. Faut avouer que c'était bizarre quand même, comme. En tout cas, la zone va être buggée parce que le coup de tout à l'heure de. Oh là. Bon, si on peut même fasse pas bugger le truc. La zone doit être buggée parce que le coup de tout à l'heure. De la zone qui était blanche là, c'était chaud quand même. Oh non 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 non. J'ai réussi à récupérer le truc parce que si je me remets à tomber, je doute ce qu'il me conserve mon saut indéfiniment. Alors, mettons toutes les chances de notre côté. Ok. Tout va bien. Ça, c'est bon. On éteint le feu. Bon, bah, on va quand même pouvoir avancer malgré ce défaut, n'est-ce pas? Oh! Oh! Oh, ça, c'est... Oui, la zone est buggée. Mais vraiment totalement, la zone est vraiment... Non, ça ne doit pas venir de moi, ça doit vraiment venir du jeu. La zone doit être vraiment buggée. Bon bah voilà, c'est... Bah c'était fun quelque part. On a découvert des petits bugs comme ça. Je sais pas si on peut considérer ça comme un glitch. Non, je pense pas. Je me demande s'il existe des speedruns des jeux Lego. Je suis en train d'avoir un gros flash comme ça. Je me demande, franchement je me demande. Parce que y a moyen de faire des trucs, je pense. Y a moyen. Alors, qu'est-ce que cela a fait? Ah, ça a levé une tête, très bien. Ça nous fait apparaître sur le derrière là, à cet endroit là, voilà. Enfin, je savais que ça allait nous faire apparaître là, quoi. Je l'avais vu avant. Wow! Et je fais comment moi pour récupérer les pièces, monsieur? La zone est vraiment buggée, il y a des bugs de caméra, c'est n'importe quoi. Bon, bah personnellement, je suis bien content de pouvoir enfin quitter cette zone. Hein. Écoutez, c'est pas que c'était chiant et buggé, mais un peu quand même.
Bon. Mais comme quoi, le fait que je n'arrive pas à faire des trucs ne vient pas toujours de moi. Alors, progressons. Du coup, carte. Carte. On a mis la carte. Tu vas nous mener à cet endroit-là. Tu vas nous mener à cet endroit-là, n'est-ce pas? Oh l'assaut! J'avais envie de dire ça, pareil. Faut vous habituer des fois à des trucs, c'est juste parce que j'ai envie de les faire. Faut pas se casser le cul dans la vie. Vous avez envie de faire un peu de tête. On s'assure que si c'est tuer des gens, ça le fait moyen. Mais si c'est des trucs du genre faire un geste chelou ou dire un truc chelou, faut pas gêner. Faut pas gêner. Où est-ce que je dois aller ensuite? Suivre les pièces, suivre les pièces. Alors si, je sais où je dois aller ensuite, je sais quel est le suivant, parce que du coup c'est celui que j'ai loupé tout à l'heure. Ça c'est fait. Alors, faut juste que je le retrouve, Où es-tu, mon ami, la quête? Où es-tu? Ça, toi, t'es fait. Ah, tu es là. Corde. J'ai besoin d'une corde. Bon, cette fois on se le fait correctement, écoutez. Ça, ok. Ok, ça c'est fait. On va tourner la caméra pour mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. Ok. Voilà, et ben enfin, ouh, enfin j'arrive à faire quelque chose de mes deux mains. C'est pas ça que je veux faire, c'est la carte. Je dois aller voir sur la carte. Alors nous allons aller voir notre ami Glowin à quoi il ressemble. Choisir destination. Oui, je choisis en destination. Continuer, elle. J'ai choisi en destination. La destination est choisie. Là-bas, un petit coffre, ça fait toujours plaisir. Nous avons le conseil d'Elrond ici. Avec notre ami Hobbit qui est là pour une raison que j'ignore. Ah bah si, c'est parce que nous étions là avant, tout simplement. Alors, les pièces. Et nous allons sortir de ce lieu. Ils ont fait un truc de pas logique, normalement le conseil d'Elrond est censé... Enfin, le lieu du conseil d'Elrond, c'est l'endroit où nous étions là, ils sont censés se situer en haut de... Enfin, en dessous, c'est censé être du vide, quoi. Ah, ok, attendez. Non, c'est moi qui dis de la merde. Je dis rien, j'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. C'était pourri. Qu'est-ce que je dois faire? Elle, oui. Reprendre mon arc. Où dois-je aller? Par là. Je dois aller dans cette direction. Je dois descendre. Donc en fait, je suis remonté pour rien. C'est bon, je repère mon chemin. Mon chemin est repéré, tout va bien. Je dois aller par là. Nous voulons passer par la côte. Alors, à quoi ressemble notre ami Glowin? Notre ami Glowin avait envie de jouer à cache-cache. Il avait envie de se planquer derrière un mur
que seule une bombe pouvait faire exploser. Bah écoutez, c'est un nain, faut pas chercher sa logique. Alors pourquoi ça fait un bruit comme dans Star Wars? C'est une bonne question. Ah mais me tape pas, je suis ton copain moi. Petit bug. Regarde, je suis ton copain. Je suis ton ami. Oh, il l'est bien fait, Glowin. En fait, ils ont fait exactement le Glowin qu'ils ont fait pour les Legos du Hobbit. Mais ils l'ont fait avec une barbe blanche. Mais c'est exactement le même sinon. Oh bah écoutez, bah tant qu'on y est, au point où on en est, nous allons faire le niveau bonus. Nous allons faire le niveau bonus. Vu que ça a l'air d'être là, on va le faire. Ok, alors nous allons faire donc le niveau bonus. Alors, le niveau bonus, normalement, si c'est comme dans les autres jeux Lego, nous allons devoir nous balader dans un monde bizarre. Il faut le dire, ce sera un monde bizarre. Parce que le sol sera vert. Et dans ce monde, le but sera de récupérer 1 million de pièces. En sachant que vous pourrez tout casser avec n'importe quel personnage. Et que... alors, vous pourrez tout casser avec n'importe quel personnage. Et en plus... toutes les pièces, vous les récupérez automatiquement un petit peu comme ça. Voilà. Donc, nous allons faire cela une fois que j'aurai récupéré ceci. Voilà. Les pièces, c'est toujours bon. Et nous revenons à 1 million de pièces, c'est déjà ça. Alors, niveau bonus, est-ce que je souhaite le faire? Oui, je souhaite le faire tout à fait. Oui, je ne sais pas m'exprimer correctement. Ça, c'est dit. Ah, nous avons le dessin du retour du roi. Attendez, alors, apparemment nous commençons au Mordor. Et nous avons Sauron. Mais c'est super stylé. Et nous avons la bouche de Sauron. Épée. Ah, ils ont donné une épée de Morgul. Nous avons la bouche de Sauron. Ah bon, on prend Sauron, écoutez, hop. C'est hyper stylé. Donc, ah, ils ont pas mis un fond vert. Bon, en tout cas, le fond est chelou quand même. Voilà, donc le but est de récupérer 1 million de pièces. Dans les premiers Lego, il y avait un temple pour ce niveau-là. Mais j'ai jamais pigé à quoi il servait. Elle. Alors la masse de Sauron fait un bruit d'épée. Ah, nous construisons Barad-dûr, c'est classe ça. Nous allons ouvrir la porte noire, je suis sûr. Ouais, je suis un génie. On peut défoncer les orques? Pourquoi on peut pas défoncer les orques? C'est chiant ça. Le but est de construire. Ah, il y a des endroits, d'accord. J'ai compris.
La montagne du destin nous crache. La montagne du, du destin nous crache de quoi le construire, Barad 2. Ok. Alors. Oh. Bah là, ça fait beaucoup de pièces d'un coup, qu'en pensez-vous? Ah, par contre, on n'a plus la montagne du destin. Ah, et on va pouvoir construire l'œil comme ça. Ah, et il fait une lumière. Oh, il est moche l'œil. Ah, attendez. On doit pouvoir tourner l'œil, ça va donner feu au poisson. Je suis prêt à parier que ça va donner feu au poisson. Ou à quelque chose. Si, c'est ça. Ah non, ça ré... ah non, ça réunit les orques, d'accord. En gros, les orques sont réunis pour les faire danser. Quelle est l'utilité de les réunir pour les faire danser? Je ne sais pas. Ah si, ça permet de détruire ce que j'utilise. Ça ne sert à rien. Ok. Alors là, nous arrivons dans le marais des morts. Mais écoutez, c'est quand même stylé. On contrôle Sauron, quoi. Ah oui, mais en plus, je vous l'avais déjà dit, je savais qu'on contrôle Sauron. Et ouais, donc comme vous le voyez, Sauron, c'est un petit personnage ridicule. Oui, oui, je vous l'avais dit dans le premier, dans le tout premier niveau. Sauron est un petit personnage ridicule. Alors que dans le premier niveau, c'est un mec gigantesque et super balèze. Voilà. Alors, est-ce que je vais le réussir du premier coup ce niveau? Parce que d'habitude, j'arrive jamais à le réussir du premier coup. On ne sait jamais. Je ne trouve, je me bloque toujours à une dizaine de pièces de la fin. Parce que y a des fois, il y a des trucs qui sont bien chelous et bien planqués. Ok. Alors, détruisons, détruisons, détruisons. Comment ils ont fait le Mordor, c'est horrible. Donc en fait, c'est la terre du milieu en beaucoup plus petit. C'est pourquoi l'endroit s'appelle Terre du Milieu. Ah, c'est clair que c'est une bonne surprise. Encore merci à toi, Johan Yui. Tu as un pseudo étrange, mon ami. Ouais, en même temps, c'est moi qui dis ça. Hop là, alors.